Bonjour à tous les amis, la femme Finicentia, c'est Juan et vous êtes sur la chaîne Universia. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle review qui va concerner le Shen Final Bronze Clause version V3 par Bandai. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir enfin vous la présenter, figurine que j'ai achetée chez la boutique partenaire Luna Park Store que vous pouvez retrouver lien en description afin de pouvoir l'acheter. Et vous avez également le lien afin de vérifier les différentes sorties figurines et d'autres licences que vous pouvez retrouver sur la boutique Luna Park. En tout cas, je suis ravi de vous présenter cette figurine-là. Vous allez pouvoir voir ma review et mon avis sur cette figurine et surtout le joli posing sur ce Shen. Allez, on va se retrouver juste après les amis. Ciao, ciao, ciao! Shen Final Bronze Clause EX Bandai ou V3 en version abréviation qui veut dire troisième forme d'armure pour les chevaliers d'Athéna. Il est par la même occasion le troisième chevalier sur les 5 bronzes majeurs à sortir par la marque officielle. Shen d'Andromède qui va revêtir cette armure à la fin de la partie sanctuaire Hadès après que Shion jette le sang d'Athéna sur les 5 chevaliers de bronze vêtus de leur armure forme 2, les V2 que l'on voit dans l'arc Poséidon et Asgard. Suite à ce geste, les armures se régénéreront afin d'avoir cette version finale bronze close, les V3. Alors, ce n'est pas la première fois que vous voyez cette version des chevaliers de bronze en finale bronze close, car Bandai avait déjà édité en août 2006 à la suite des OAV d'Hadès les personnages en version V3 mid-close, classique comme sur les images. Version pour cette époque vraiment très sympa. Ensuite, en 2018, il me semble bien, la marque Great Toys et Speeding Model avaient eux aussi sorti leur figurine en version EX cette fois-ci et surtout dans toutes les configurations, que ce soit animé, manga et doré façon Power Gold. Aujourd'hui, septembre 2022, la version EX officielle Bandai nous sort enfin et vous pouvez la retrouver à prix moyen de 88€ sur la boutique partenaire Luna Park. Parlons de la boîte de ce Shen V3 EX. Alors nous allons démarrer par la face avant de celle-ci avec des petites nouveautés. Déjà le perso, cette fois-ci cadré à gauche et non à droite comme Seiya et pour le Shiryu V3 EX. Même charte graphique que les autres Final Bronze Clause, fond rouge pour représenter le Mekai chapitre d'Hadès et la représentation de la constellation d'Andromède. Les stickers de Bandai, la Toei, Tamashii, Tamashii Quality, le logo Senseiya de la partie Hadès. Et la petite nouveauté, c'est en haut que nous allons la retrouver avec le stickers Bandai Namco. Chose nouvelle car on connaît cette fusion depuis des années déjà, Namco étant plus spécialisé dans les jeux vidéo. Pourquoi aujourd'hui mettre en avant cette alliance et surtout sur du Senseiya? J'ai cru savoir que ce logo était aussi sur d'autres licences telles que Gundam il me semble bien et Shurato. De l'autre côté de la boîte, nous allons retrouver la représentation de Shed en mode attaque justement avec un très joli posing à genoux. Sur un élément latéral de la boîte, nous allons retrouver la forme objet de l'armure d'Andromède dans une très belle configuration, celle de la finale bronze close, justement V3. Sur la face arrière, nous allons retrouver le personnage de Shen en très mauvaise posture et nous pouvons retrouver en haut à droite donc le même posing qu'on peut retrouver sur un côté. Tout en bas sur votre droite également le PVC de Ikki enfant avec Shen dans les bras. Nous allons retrouver également les 4 configurations visage en version non casquée et version casquée. Et puis bien sûr une dernière photo de la représentation de la forme objet d'Andromède. Et sur le dessus de la boîte, une très jolie représentation de l'hôtel d'Athéna avec la grande statue lors du final de la partie sanctuaire d'Hadès où justement ils recevront le sang d'Athéna afin de pouvoir convertir leur armure V2 en version V3. Une fois les éléments sortis de la boîte, nous allons retrouver 3 blisters pour ce Shen d'Andromède Final Bronze Clause ou V3
EX. Dans le premier blister, le principal, nous allons voir de haut en bas le personnage en version EX au milieu. Et on remarque que comme pour les autres bronzes V3, les mains civiles ont disparu pour mettre directement les mains armure point fermé. Les épaulettes à gauche, les éléments du diadème et de la ceinture à droite, la partie pectorale, les brassières et les avant-bras, donc deux avant-bras différents pour pouvoir mettre également les effets des chaînes, les genouillères, les cuissardes et les jambières qui sont en deux parties métal à assembler. Et au final, une seule paire de protège-gants. Rapia encore une fois sur les protège-gants, bah derrière, ça c'est pas bien. Il nous faudrait mettre une deuxième paire de protège-gants s'il nous arrive un souci sur les poignets. Deuxième blister où nous allons découvrir la partie forme objet, les visages et les paires de mains avec les 4 visages supplémentaires, les 4 paires de mains également supplémentaires, la chevelure pour mettre le diadème et les éléments complets pour faire la forme objet de Andromède. Troisième et dernier blister, les éléments additionnels pour chaînes et le bonus avec les chaînes plastiques pour faire les différents types d'actions, attaque ou défense, les chaînes à mettre sur les avant-bras en métal et le bonus PVC plastique de Ikki, enfant avec chaînes dans les bras comme raconte l'histoire des OAV d'Hadès. Allez, on s'approche pour voir les différents éléments donc, que contiennent les blisters avec les protections plastiques enlevées afin de mieux se rendre compte des couleurs de l'armure ainsi que des différentes pièces que va contenir ces blisters. Donc le personnage avec l'armure, comme vous pouvez le voir, la couleur teinte rosée plus foncée que sur la version V1 bien sûr, et un tout petit peu, il me semble bien aussi, un petit peu plus rosé foncé également que la version V2EX, les visages tant décriés pour ce chaîne V3EX également, ainsi que les différentes configurations de paires de mains. On a pu remarquer également que pour la version casquée avec le diadème, il n'y a pas de mèche articulée, un tout petit peu dommage. Et vous avez les différents effets et surtout cette résine PVC, on va dire, de ce Ikki enfant avec chaîne dans ses bras. Allez, on voit ça de plus près, justement, la petite résine PVC de Ikki enfin avec Shun dans les bras. Ben écoutez, on va dire que c'est un petit bonus très sympa. Moi, je ne la mettrai pas en exposition, je la laisserai dans la boîte. On verra si je trouve peut-être une configuration bien plus tard. C'est sympa d'avoir mis ça en plus dans la boîte, mais très sincèrement, ouais, on va dire que c'est moyennement réussi. Les visages au nombre de 4 supplémentaires, ravis de voir autant de visages disponibles et de plusieurs configurations. Dommage qu'une version possédée d'Hadès ne rentre pas dans ces visages-là supplémentaires, justement. Pour les mains, 4 paires en plus. Donc nous allons retrouver les poings fermés, les poings mode agrippé, les poings 3 doigts ouverts et les poings également pour maintenir les chaînes ainsi que les mains ouverte. Allez, pour finir tout ça, bien sûr, le manuel de montage pour monter la figurine et surtout la forme objet de cette version d'Andromède en format V3, Final Bronze Close. Vous avez tous les éléments afin de ne pas vous tromper. Partons pour la mythologie d'Andromède, qui est une princesse éthiopienne. Fille du roi Céphée, elle est victime de l'orgueil de sa mère Cassiopée. Exposée nue sur un rocher pour y être dévorée par un monstre marin, elle est sauvée de justesse par Persée, dont elle deviendra son épouse. Allez, on va attaquer le montage, bien sûr, comme d'habitude, par le test de rigidité de la figurine pour se rendre compte que la rigidité au niveau des jambes, du buste, des torses ainsi que des bras est très très bonne pour ce chaîne. Donc très très bonne nouvelle de ce côté-là, on a enfin une figurine très rigide. Allez, on va attaquer donc le montage comme d'habitude par le bas pour ma part. On enlève les pieds et on va monter donc les cuissardes à monter, les genouillères et ces fameuses jambières qui sont en deux parties métal
Donc pensez à bien sur la première et bien rentrer celle-ci pour pouvoir mettre le pied et bien ajuster le tout. Sachez qu'il y a des détrompeurs bien sûr sur les cuissardes. À regarder l'intérieur, vous avez un petit détrompeur avec un trait pour la partie droite, il me semble bien, et deux traits pour la partie gauche afin de ne pas vous tromper de sens pour le positionnement des cuissardes. Alors on fait pareil pour la jambe droite. On intègre cette deuxième partie donc de la jambière. Donc ils ont fait ça en deux parties, les jambières, donc en pièces métal, tout simplement pour être raccord avec la partie forme objet. Justement, sachez que sur la version gretteuse, la jambière était en totalité en une seule pièce. Donc forcément, il n'y a pas de forme objet pour la version gretteuse ou speeding model, mais pour celle-ci, vu qu'il y a une forme objet, donc du coup, ils étaient obligés de faire donc cette jambière en deux parties afin de pouvoir composer et faire cette jolie forme objet de l'armure d'Andromède. Alors on va attaquer par la ceinture qui se positionne très très bien avec ce système d'attache central avec les deux petits bitonio plutôt que le clips central, vous savez, au milieu qui a très souvent tendance à sauter si on met des lycras déjà. Donc cette figurine là n'a pas de lycra, donc je vais tâcher de faire ça et de commander le lycra chez Eliseka ou chez Creature, voilà, que je vous invite bien sûr à aller voir sur la page Facebook pour pouvoir habiller vos figurines. La partie pectorale ensuite qu'on va rentrer et qu'on va clipser. Je vais remettre la tête, bien entendu. Hop, elle a fait une petite chute. Rien de grand méchant. Allez, on va continuer ensuite par le positionnement des épaulettes. Les épaulettes qui n'ont pas changé pour le montage en fait de chaîne, hein, qui reste toujours la même façon de monter ces épaulières, que ce soit en forme V1, en forme V2 ou ici en forme V3. Donc il n'y a pas de changement, c'est le petit clips qu'on met directement sur l'épaule. Il commence à avoir de la gueule ce chaîne. Allez, on va attaquer maintenant par les avant-bras. Donc bien sûr, les avant-bras, vous avez deux configurations. Une configuration à mettre donc avec l'avant-bras complet et pour mettre les effets plastiques. Et la configuration avec deux parties, donc avant-bras beaucoup plus courte pour pouvoir intégrer les chaînes en version métal. Chose que j'ai fait ici, de mettre les avant-bras en configuration chaîne métal. Alors, je trouve ce rendu pas très très beau. Sachez que sur la version V2, il me semble bien, donc c'était tout en une seule pièce, sans petit encastrement au niveau des avant-bras, donc c'était plutôt circulaire. Mais bon, bref, je trouve que ça fait un petit peu moyen. Allez, la figurine est montée, on va attaquer par le posing. Thank you.
Pour les points positifs et négatifs, allez, soyons fous, on va commencer par les points négatifs pour changer. Une seule paire de protège-gants. On sait que pour les deux derniers, eh ben, ça sera pareil. Pas de visage possédé d'Hadès, un tout petit peu dommage, on aurait préféré également avoir ce type de visage. Système des avant-bras pour mettre les chaînes métal, pas très esthétique, on voit un tout petit peu le jour. Et d'une seule pièce, je pense qu'on aurait été vraiment plus adapté. Pas de mèche articulée également pour le personnage de Sean, c'est un tout petit peu dommage. Visage un poil arrondi, manque de maturité, même si fidèle à l'arc Hadès. Alors j'ai un souci vraiment avec les visages, je sais pas si je dois le mettre dans le coin, dans les points pardon, positifs ou les points négatifs. Côté point positif, la rigidité de la figurine, bien sûr, le montage facile, les visages dans la continuité des trois autres V3 EX, c'est-à-dire dans la ligne de visage un tout petit peu infantile, rendu très joli dans l'ensemble, paire de mains et visages nombreux. Le verdict de ce Sean Final Bronze Close V3. Dans la continuité des V3 EX, cette figurine est très sympa. Mais si vous avez la Great Toys, Sean se fondra aussi avec les deux autres V3 EX Bandai. Achat pour les compulsifs, bien sûr, mais votre bootleg fera très bien le job sur ce personnage-là. Je vous invite bien sûr à aller voir les différentes vidéos de mes confrères reviewers. Il y a du Sean V3, justement, il y a de la montre Sensia, il y a du Albior de ces fées, il y a également de la rétro review, il y a de quoi justement passer encore des minutes sur YouTube à voir vos super reviewers. Il y a bien sûr les vitrines Kawan, donc de chez Coprima. Vous avez le lien en description pour pouvoir mettre vos figurines en vitrine, et puis il y a également les Lycra de chez Créature pour pouvoir justement habiller vos figurines pour cet hiver. Je vais rajouter un bonus, bien sûr, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à découvrir la BD de Jérôme Alquier et Arnaud Dolan, Sensia Time Odyssey. C'est vraiment une BD à découvrir, une histoire vraiment fantastique, donc tout fan Sensia doit avoir au moins lu la BD. Donc je vous invite à acheter cette BD chez vos libraires et chez les différents points de vente. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue sur ce Sean V3 EX Final Bronze Close. J'espère que ça vous a plu. Très sincèrement, c'est un personnage qui me donne quelques difficultés à mettre en posing. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a de multitudes de choses à faire avec les chaînes en plus. Mais je galère un tout petit peu à trouver de nouveautés lors de lors des posings sur Sean. Mais je pense que vous allez trouver la bonne configuration à mettre dans votre vitrine. Je vais également vous laisser à la fin avec un très joli posing en mettant en avant une scène sur les trois derniers, donc Chevalier de Bronze en version EX, le Seiya, le Shiryu et ici le Sean V3 EX. D'ici là les amis, collectionnez bien et puis on se retrouvera très prochainement pour une toute nouvelle review. D'ici là les amis, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao, ciao. Et je remercie bien sûr Pakex pour cette superbe musique Retro Wave qui m'a permis de mettre en avant justement ce Sean lors de la forme objet ainsi que du posing. Donc merci à toi mon ami d'être toujours là également à mes côtés pour pouvoir embellir aussi les vidéos. Merci à toi Pakex.